sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut.
nous comme si serviteurs de Dieu, nos pasteurs, à nous conduire dans la prière des conditions. Akizite, j'ai un ami qui s'appelle Akizite. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a répondu, ça veut dire dans son patois, qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Amen. Je prie. Éternel Dieu tout-puissant, je te loue et je te bénis. Parce que tu nous donnes des moments extraordinaires. Pour nous confirmer que nous avons fait le bon choix en te tournant vers toi. Seigneur, l'intelligence des hommes a été limitée. La volonté des moyens a été limitée. Le désir de l'enfant était toujours là. Mais Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Amen. Tu as vu tes enfants qui s'adonnent dans cette communauté. Tu as vu l'amour qu'ils ont montré pour les enfants qui n'étaient pas biologiquement les leurs. Tu as vu leur entrain à les encadrer, à les conduire, à les suivre. Et dans ton grand amour et dans ta grande miséricorde, tu as dit, c'est l'heure de la bénédiction pour vous. Amen. Je te loue et je te bénis. Amen. Parce que certains diront que c'est la secte. D'autres diront que c'est des pratiques magiques. D'autres diront qu'il faut aller fouiller. Allez donc fouiller dans la Bible. Amen. Et vous trouverez toutes les promesses que Dieu attache à ses enfants. Amen. Yes. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit dans sa parole, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme qu'on entoure. Amen. Cette porte qui a été ouverte fera déverser encore et encore d'autres enfants dans cette famille. Amen. Seigneur, je te loue et je te bénis. Parce que tu es le Dieu de toutes choses et de toutes possibilités. Amen. Tu juges les cœurs et tu sondes les esprits. Et tu as vu avec quelle abnégation, avec quel constat, avec quelle persévérance le couple Ebega est resté fidèle à toi. Amen. Ils n'ont pas écouté les murmures. Ils n'ont pas écouté les railleries. Ils n'ont pas écouté les chuchotements. Mais ils ont dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Désormais, ils auront aussi un enfant pour casser les verres dans la maison. Amen. Ils auront aussi un enfant pour garder la télé. Amen. Ils auront aussi un enfant pour se lever à 2h du matin parce que l'enfant chauffe. Amen. Et ils sauront que tu les as bénis. Amen. Merci Seigneur. Merci. Tu as fait ce que ni l'or ni l'argent ne peut le faire. Amen. Tu as fait ce que les hommes ont cherché dans la science et ne peuvent le faire. Amen. Ce matin, mon cœur t'exalte et mon esprit se lève à toi, amen, car tu es grand, ô Dieu. Amen. Mais dans ce culte aussi, Seigneur, nous te remercions, ton Fils, à qui tu as encore renouvelé ta bonté en lui permettant de trouver un travail meilleur que celui qu'il avait avant. Amen. Et par amour, il a décidé
de donner un verre d'eau, une part de gâteau à ses frères ici réunis en symbiose et en concertation avec son frère Raphaël et sa sœur Stéphanie. Amen. C'est un Dieu puissant dans la communauté pour vous. Amen. Tu es puissant et tu te manifestes. Amen. Afin qu'il soit dit et entendu que le jour où tu es entré ici à l'inauguration de cette maison, tu as établi ta demeure. Amen. Et que quiconque a un problème et qui se tournera vers cette maison, qui viendra dans cette maison, trouvera grâce et solution. Amen. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu peut faire. Amen. Et venez prendre ce que Dieu a pris. Amen. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour cette assemblée de la communauté pour Christ. Où l'amour fraternel, l'amour filial resplendit de jour en jour. Amen. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. À mon épouse, le révérend docteur Alvi, et à moi-même, de poursuivre dans la voie que tu nous as tracée. Et merci de nous récompenser par des bénédictions successives qui sont des encouragements à toujours aller de l'avant. Bénis tous ceux et toutes celles qui sont venus ici ce matin. Amen. Que chacun rentre avec sa portion de bénédiction. Et que ce qui n'était pas possible pour lui hier devienne possible pour lui. Mais Seigneur, que tout cela se transforme en témoignage. Amen. Le Seigneur va vous bénir ce matin. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses dans vos vies. Amen. Soyez reconnaissants. Amen. Si tu es venu t'aider à des Yaoundé, de San Medimato, de Bologna, de Garoua, souviens-toi lorsque Dieu va te toucher. Amen. Que ton témoignage est attendu dans cette maison. Amen. Parce que Dieu ne mange que les honneurs et la gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.